che toro mi tole mi kulo le wenu ene a san kole sobe bo mi na le kendo mi na le fonkani nu iwale ho emi ko do waile mi na gbe kan do kanu bale na mo je me deji bale tinu me pere do pana me ho awu. Chers amis auditeurs, salut. Nous voici encore au rendez-vous de ce mois d'octobre 2018 où nous allons poursuivre et approfondir notre entretien périodique afin de mieux vous éclairer sur la mission de Panama. Nous avons déjà abordé plusieurs thèmes au rendez-vous précédent et plus récemment les exploits accomplis dans cette mission depuis bientôt 10 ans. Nous en avons évoqué la fois dernière, mais vouloir lister la multitude d'exploits et de merveilles que Dagbo a opéré dans cette mission de Panama depuis 10 ans serait une vaine entreprise. Toutefois, à ce rendez-vous, comme annoncé la dernière fois, nous allons encore évoquer quelques exploits et faits majeurs pour vous édifier davantage sur ce qu'est la mission de Panama. Nul n'ignore aujourd'hui que Dieu a pris chair à Panama. Je n'ai jamais cessé de décliner mon identité, moi Dagbo, le Créateur, le Dieu unique qui est. Et je ne fais jamais mes déclarations à huis clos. Je le fais toujours à la face du monde, de sorte qu'aujourd'hui, tout Béninois non sujet à un dérèglement mental a connaissance des événements du mystère de Panama. On peut choisir de ne pas y croire. En toute évidence, ceux qui se sont érigés en adversaires contre la mission de Panama sont ceux qui savent avec certitude que c'est Dieu qui a prêché à Panama. Les adversaires inlassables de la mission de Panama sont ceux pour qui cette mission salvatrice constitue un handicap pour leurs entreprises maléfiques. Les bourreaux de la mission de Panama sont ces persécuteurs-là qui à chaque instant déploient toutes leurs forces pour combattre la mission qu'ils auraient pu faire voler en éclats si ce n'était pas Dieu lui-même qui en est l'initiateur. Holon bli bli. Edo nu gba do gbona me hwa me o. En gbeto si holon a. E to ma kan gbeto si holon me lo lugbe bi ko mon kun je me. La mission de Panama aurait déjà été étouffée par les hommes. La force redoutable qui opère dans cette mission de Panama n'est pas humaine et tout homme qui a encore ses facultés mentales non affectées le réalise déjà. Tout homme qui réfléchit un peu devrait déjà se rendre à l'évidence que la mission de Panama n'est pas un jeu d'enfant, car la force qui y agit domine souverainement toutes les divinités jadis craintes et vénérées ici en terre béninoise. Cette force-là domine non seulement la coalition de toutes les divinités du Bénin, mais aussi l'ensemble de tous les hommes dits puissants et redoutables de ce pays, qu'ils soient criminels ou qu'ils tirent leur force du monde des ténèbres. En vérité, ils ont déjà tous capitulé devant cette force qui les accable. Ils ont fait mille et une tentatives et ont tous capitulé. Je ne voudrais pas à ce sujet citer des noms. Ils sont bien connus et ils savent par eux-mêmes qu'ils sont connus. Ils me connaissent et je les connais aussi très bien. Donc, ceux qui s'aventurent à défier tout ce qu'ils voient ou rencontrent sur leur chemin ont déjà compris à regret qu'on ne défie pas Panama. Je veux dire, amis auditeurs, lecteurs et internautes, que l'histoire de la mission de Panama s'est significativement enrichie de toute persécution et des coqs en jambes de ses adversaires. Le plan d'accomplissement de la mission de Panama est écrit depuis toute éternité, tel que la vie du Christ a été planifiée. Quand Dieu prend chair pour venir réduire à néant le monde des ténèbres, croyez-vous que les cibles puissent rester les bras croisés? Un enfant que sa mère saisit pour chicoter ne peut que s'agiter devant la chicote. Face à la douleur, la réaction est systématique. C'est dire que depuis toute éternité, Dagbo sait que l'action appelle la réaction. Je sais qu'en déclarant la guerre au monde des ténèbres, il y aurait des réactions et je me suis donc préparé en conséquence. Je sais que le monde des ténèbres allait se mettre en ébullition. Dans leur douleur et stress, ils hurleront et crieront fort au drame qui s'est abattu sur eux. On n'en est pas surpris. Tels les pharaons, les pilates, les suppôts de Satan, ils ont joué à leur manière leur partition dans l'avènement de la mission de Panama et l'histoire retiendra leur nom. Ils sont rentrés dans l'histoire comme Véronique qui a essuyé la face ensanglantée du Christ avec un linge. Ils ont inscrit leur nom dans l'histoire au même titre que celui qui au moyen d'une perche a foutu dans la bouche du Christ sur la croix le coton imbibé de vinaigre quand Jésus eut soif. Tel Simon de Cyrène, cet homme bienveillant,
s'est inscrit dans l'histoire de la vie du Christ en portant avec lui la croix. C'est de la même manière que celui qui a eu l'oreille tranchée lors de l'arrestation de Jésus a aussi gravé son nom dans l'histoire. C'est dire qu'au moment où certains rentrent en bien dans l'histoire, d'autres y inscrivent en mal leur nom. Dans les récits sacrés de la mission de Bonhomme et jusque dans l'éternité, resteront gravés en bien les noms de ceux qui ont cru que c'est Dieu qui a prêché et qui ont voué toute leur vie à la mission. De la même manière, les noms de ceux qui savent bien qu'à Bonhomme, c'est Dieu lui-même qui opère et qui le prennent pourtant en chasse sans relâche, ne disparaîtront point de l'histoire de la mission. Seulement que ceux-là connaîtront une fin regrettable, à moins qu'ils se convertissent. Yo tamen gbon hun de dagbe wa to tamen bi egun mudin wa to lo mo e lo tamen bi egun paname hun ame on me di nu paname me di don mawe lo bo so gbe ton bi so jole o ye iko e ton sin bu pere a to dagbe ji ka we mo je me jegudo komale bo mo ro mawe choka gbe ko lele lo mo iko e lo ton e bi opan me won si tan me ye je ma si foto dagbeji a sof ni e huzuo e je nan yin yin ka so di nu huzu de de a nka ta so ba o ye we paul o sol wo yin dai won ko krisan mu le bo don te tite ngbe bon mi ando e kudu star krisan hu toleton e dagbo ka ho gwe yo e do po odin le a di dagbo do po ne bo le a di hu me bi mais moi autant je n'espère plus leur conversion autant je ne la désire plus. Saint Paul s'appelait Saul et était un grand persécuteur des chrétiens. Il était comme une star en matière d'exécution des chrétiens, mais quand Dagbo l'a rencontré sur son chemin de vie, il devint un chrétien zélé et sa foi en fut très ardente. Il se repentit profondément et corrigea ses erreurs à telle enseigne que sa vie plut encore à Dagbo. Aujourd'hui au ciel, il est un saint de grande dignité et tout le monde l'appelle Saint Paul. Plus personne aujourd'hui ne se souvient de la vie de païen qu'il avait menée autrefois. Tout le monde l'appelle aujourd'hui Saint Paul. Plus personne ne l'appelle Saul le criminel. Dans le cours de cette mission de Bonhomme, où vous vous êtes mis à me poursuivre sans relâche, j'ai eu déjà à vous parler de comment Dieu a été expulsé de la paroisse de l'église romaine Saint-Odile de Bonhomme, où il a été ordonné que Parfaite vida les lieux. Mais qui appelez-vous en réalité Parfaite? Je vous ai déjà éclairé à ce sujet et dit plusieurs fois, ce sur quoi je ne reviendrai plus, que Parfaite est mon temple, qu'on confond à tort à ma personne divine. Et les hommes de ce temps se permirent de chasser Dieu. Bonhomme, quel combat! Quel combat! Chemin faisant, chacun offre le spectacle de son choix. Ceux que j'ai choisis, qui m'ont reconnu et ont cru en moi, ont connu les pires persécutions. On les a sévèrement persécutés dans le but de les obliger à rebrousser chemin, car l'on est conscient que tant qu'on est fidèle, la sorcellerie ne peut jamais ni atteindre ni détruire. En termes plus simples, l'on est conscient de ce que, si cela rebrousse chemin et renie Dagbo, la tâche d'anéantissement n'en serait que plus facilitée aux sorciers, aux charlatans, aux suppôts de Satan. Mais ce que vous avez oublié, c'est que lorsque je porte mon choix sur quelqu'un, ceci est irréversible. Amis auditeurs, chers internautes, que vous soyez d'Agbovie ou pas, référez vos archives pour retrouver dans ce combat de Bonhomme les premières œuvres audiovisuelles et réécoutez mes déclarations. J'ai insisté jusqu'à pleurer pour vous dire et vous supplier que rien n'était encore tard, car Saul a fait pire que ce que vous faites contre cette mission de Bonhomme, et pourtant il est devenu un grand saint aujourd'hui. J'insiste pour vous dire que le temps qui reste suffit amplement pour que vous vous convertissiez, car lorsqu'il sera trop tard, le diable vous abandonnera et moi aussi, je vous l'assurerai. À qui iriez-vous alors? Vous mourrez alors gratuitement. J'ai eu à dire à toutes les catégories d'hommes composant la société, que ce soit prêtre-évêque, prétendu président de la République, qui n'était pas tard pour se convertir. Je les ai tous conviés à reculer, car on ne me poursuit pas. On ne gagne jamais quand on me déclare la guerre, car j'ai bouclé ma victoire dans le combat de Bonhomme avant d'entamer la mission. Depuis les origines et jusque dans l'éternité, il n'y a jamais eu cette force sous ce soleil.
capable de vaincre Dagbo et il n'y en aura plus jamais. Je veux signifier que la force même imaginaire capable de faire battre en retraite cette mission de Bonamé n'a jamais existé, n'existera jamais. Donc pour l'heure, le plus important n'est point d'abord de savoir la nature divine ou diabolique de la force qui est aux commandes de la mission de Bonamé. Le plus important pour vous maintenant est de déposer les armes et de rechercher le chemin de la conversion. J'ai tout fait, j'ai tout dit dans ce pays, mais en vain. Autant les jeunes sont restés insensibles à mes appels, autant les adultes aussi ne veulent point se convertir. Qui pisait ceux que vous surnommez dans ce pays patriarches pour canaliser le peuple sur le vrai chemin ont tous versé dans des balivernes, dans des délires et vous ont fourvoyé. Je ne veux nommer personne, mais ils se reconnaissent bien. Des références de ce pays ont commencé à biaiser, à niaiser, à faire de la démagogie, à diffuser dans le peuple des propos scandaleux décousus de toute sagesse. Ce qui est regrettable est que tout le monde a déjà pris ces gens dépourvus de sagesse comme des personnes ressources, des sages, et ils en profitent pour conduire le peuple ignorant à l'égarement. Voyez-vous aussi, les mêmes qu'on y a vous dit dans ce pays qu'ils veulent tel au pouvoir pour qu'aujourd'hui le pays puisse commencer à émerger reviennent peu de temps après vous redire que celui qu'ils vous ont doigté soutenu eux aussi n'est plus l'homme providentiel et escampe sur tous les toits qu'il est très mauvais. Ceci signifie qu'eux-mêmes ne connaissent pas la marchandise qu'ils exposent sur leurs étalages et ne connaissent pas non plus le prix de leurs marchandises avant de vous les vendre. Vous vous payez seulement pour entendre un instant après que le produit qui vous est vendu n'est plus de bonne qualité. N'est-ce pas triste? Des vendeurs d'illusions qui se font passer pour des sages et des savants. Il y en a même qui se proclament roi Melchior en référence aux Saintes Écritures. Mais de quelle science disposent-ils? De quelle sagesse font preuve ces imposteurs pour prétendre donner à une nation entière une orientation salutaire? Ils ont toujours été aux affaires, pourtant le pays végète. Rien n'a jamais changé et curieusement, vous agissez toujours selon leurs préceptes. L'on prétend que tout ce qu'ils disent s'accomplit et que tous les signes qu'ils annoncent s'accomplissent irrémédiablement. Voici que la nation, à force de les croire et de les suivre, est devenue une vraie loque. Et lorsqu'un pays est réduit à cet état, la vie de ses citoyens l'est également. C'est bien cela. Mais alors, en matière de foi et de croyance en Dieu, ceux-là à qui vous vous fiez et que vous prenez pour vos devanciers guides, vos rois, vos chefs de collectivité, vos notables, ceux-là que vous appelez prêtres-évêques, ou autres personnes ressources de ce pays et dont la mise en examen de leur vie révèle qu'ils ne sont même pas habilités à diriger leur propre foyer, peuvent-ils vous éclairer? Est-ce bien ces gens-là qui sont aptes à discerner pour vous s'il s'agit de Dieu ou du diable? Quelle illumination ont-ils? De quelle sagesse sont-ils doués? De quelle grâce sont-ils pourvus pour reconnaître Dieu et le rendre témoignage afin que vous puissiez croire par eux? Bon, mais il n'y a pas de temps. Il m'a traité de la main de ton vovo à e. Mais il n'y a pas de maoué à ouvire. Ou ziza te mène le cadeau. Se nous yon te cadeau. A tchè te karo yé si. Bon, il n'y a pas de tout maoué. Bon, il n'y a pas de temps. Bon, bené vie, mimi boali. Bon, tchè. Bon. Jamais, il y a même un peu de jamais, il y a même un peu de temps, et bla aussi. Il y a même un peu de jamais. Bon, on a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, nous blanons, oui. A blu, bête, on a un peu de temps, il y 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 a un peu de temps. Mais je m'en goûte, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Je suis 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 un peu de temps. Chers Béninois, vous êtes laissés égarés. Ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent dans les sabbats nocturnes pour décider de votre sort, qui reviennent le jour pour tenir de beaux discours et orienter vos décisions. C'est bien triste. Une personne sombrée dans les ténèbres pourra-t-elle vous discerner l'obscurité de la lumière? Est-ce un suppôt des ténèbres qui pourra témoigner de la lumière? On s'est mis à pourchasser Dieu. Où en sommes-nous aujourd'hui?
Ce n'est pas de ma bouche que vous entendrez ce qui va advenir. Ceux qui sont censés le savoir présagent déjà du lourd bilan des assauts du ciel qui sont actuellement en cours sur le monde des ténèbres. Ceux dont le sort m'attriste, c'est vous, âmes naïves. Qu'ils ont moyen de fourberie détournée du chemin du salut et conduit à l'égarement, c'est pitoyable. Une levée en masse de la coalition des forces armées du mal est partie en guerre contre l'éternel Dieu de l'univers. Ils se sont mis à ma trousse sans répit, moi le Dieu invincible, et ce jusqu'à présent. Et pourtant, ne suis-je pas toujours parmi vous? N'est-ce pas bien ma voix que vous percevez? Ma voix est-elle tremblotante? Dénote-t-elle le malaise ou la peur? Je demeure toujours ce que je suis. Mes attributs de roi n'ont jamais changé. Mon titre de roi n'est pas une imposture. Ce sont les rois de ce monde qui sont élus pour un mandat de délai de validité définie limitée. Ce sont vos députés qui ont un mandat d'une validité de 4 ans. Ne suis-je pas toujours le même au milieu de vous? En dépit de toutes vos agitations fébriles, vous entendez ma voix. Vous entendez toujours le son de ma voix et je ne me tairai jamais car je suis l'éternel Dieu. Que vous le croyez ou non, c'est immuable. Et puisque nous parlons des rois de ce monde, ainsi que des questions de mandat, pourquoi ne pas évoquer au passage et à juste titre le cas de Noati Maurice, l'ancien préfet des départements du Zou et des collines. Préfet, tu es le chef et tu commandes sur ton territoire. Mais voici que moi, je suis le créateur, possesseur et grand commandeur de l'univers. Amis auditeurs, cet événement auquel je me réfère par exemple est l'une des injustices de taille dont Baname a été victime au stade Omnisport de Koko et dont le monde ignore la version authentique des faits, mais se permet tout de même le luxe de condamner et de proférer des injures à tort à l'encontre de la mission. En effet, nous avions prévu une rencontre habituelle sur le site du stade Goho d'Abomey. Et comme cela se devait, nous avions rempli toutes les formalités administratives auprès de la mairie d'Abomey et de la préfecture en vue d'obtenir une autorisation d'occupation des lieux. Mais le jour des manifestations, toi préfet sans dignité, tu ordonnes aux forces de l'ordre de verrouiller les portes d'accès, interdisant ainsi aux Dabovi tout accès au site. Si tu avais un peu de respect pour ta personne, agirais-tu ainsi? Comment pourrait-on qualifier un tel acte? N'est-ce pas de la provocation? On provoque Dieu. Et si j'avais autorisé les Dabovia à riposter, on en aurait conclu que c'est le diable qui agit ainsi. Mais j'ai gardé mon calme et patienté. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ce préfet jouit-il toujours de ses prérogatives? Préfet très fort, toi qui verrouillais les portes, où en es-tu? Constate par toi-même à qui tu as verrouillé la porte présentement, si ce n'est qu'à toi-même. Car ceux à qui tu pensais avoir fermé les portes sont aujourd'hui libres de tout accès. Ceux-là que tu as pensé bloquer, tu entends toujours leur voix à travers la mienne, car la voix de Dagbo est la résultante des voix de tous les Dagbovis du monde entier. Je suis leur Dieu et leur porte-parole. Qui pensais-tu empêcher? À l'époque, c'était tout un tollé général. Et si je l'avais ordonné, des millions de Dagbovis allaient causer des dégâts considérables dans ce pays. Voici que je suis le Dieu de justice, patient et lent à la colère. Et pourtant, c'est à Baname que vous portez les étiquettes de gens violents, de gens rebelles. C'est Baname qu'on accable de toutes les iniquités du monde. Baname a été victime de cette injustice en l'an 2014 et pourtant, nous nous sommes tués et nous avons fait preuve de patience. Le Dieu que vous appelez diable s'est résigné au bon vouloir des hommes. Si j'étais vraiment le diable, comme vous vous amusez si bien à le dire, cette nuit-là, les auteurs de cette injustice perpétrée contre Baname auraient déjà porté les empreintes des coups de griffe du diable. Pourtant, ce diable a fait preuve de patience et a épargné tout. Voilà une injustice grave dont Baname a été gratuitement victime. Et j'en passe. Toujours dans la même rubrique, apprécions l'incident qui s'est produit à Savet, où un soi-disant prêtre de l'église romaine instruisit ses fidèles d'asperger d'essence et de brûler l'une de nos paroisses, alors que c'est toi qui prétends adorer le Dieu véritable. C'est toi qui prétends être sur le droit chemin. Pour toi, Dagbo le diable. Et tous les Dabovis adorent le diable. Mais le prétendu diable n'a pas ordonné que l'on asperge d'essence et brûle ta paroisse. Mais c'est plutôt toi, le vrai adorateur de Dieu, qui a commandité un tel crime. Toi, le prétendu guide spirituel, prêtre et représentant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lors de son passage dans ce monde, n'a jamais mandaté ses disciples d'aller incendier les synagogues des pharisiens et des scribes. Bien au contraire, il s'y rendait lui-même, s'entretenait avec eux, les interrogeait au sujet de leur loi, relevait les imperfections qui s'y trouvaient et leur indiquait le droit chemin.
Et s'ils n'étaient pas d'avis, il les abandonnait à leur ignorance et poursuivait son chemin. Ce même Jésus-Christ, à l'heure de sa passion, lors de son arrestation, remit en place l'oreille coupée à un soldat par l'un de ses disciples. Cependant, toi, le prétendu prêtre, supposé représentant de Jésus-Christ, toi qui incarnes l'image même du Christ pour ces chrétiens, c'est toi qui l'inculques comment vandaliser et incendier les paroisses du prochain. Dans ces conditions, qui est le véritable diable? Qui agit comme le diable dans ces conditions? C'est vous-même qui allez révéler à la face du monde ce qui est réellement Panamé. De même, vos actes et agissements témoigneront de votre véritable nature à la face du monde. Vous affirmez que ce n'est pas Dieu qui opère à Panamé, mais plutôt le diable. J'ai essuyé toutes sortes de calomnies. Vous prétendez que je suis Belzéboul, Jézabel, et que ma puissance est diabolique. J'ai été sujet à moult opprobre, éreintage, diffamation et infamie. Je n'ai été épargné d'aucune forme de calomnie. Chers auditeurs, à l'entente de mon propos, j'ai déclaré que la bête féroce, quelle que soit sa puissance, capable de me défier, n'est pas encore de ce monde et qu'il n'y en aurait jamais sur terre ni au ciel jusqu'à la fin des temps. C'est bien ce que j'ai dit et j'attire votre attention sur le fait qu'aucun petit enfant ne peut tenir un tel propos. Je vous ai souvent martelé que ce ne sont ni la folie, ni la satiété à l'excès, ni l'ivresse qui me font tenir de tels langages. Vous scandez qu'il n'est pas Dieu. C'est juste un petit enfant qui fait du verbiage et qui s'agite. Tenez, les plus grands féticheurs de ce pays se sont réunis à Abomey. Et ceci, vous ne pouvez pas nier être informé de cette affaire que j'évoque, car c'est sur ce même territoire en terre d'Arménienne que cela s'est produit quelques années plus tôt. Je sais combien les Béninois aiment les délayages, si bien que le moindre événement qui se produit se répand comme en une traînée de poudre. Même la presse nationale a relaté et relayé l'événement. Toute une flopée de grands et puissants féticheurs s'étaient constitués à Abomey à l'époque. Tous forts de leurs idoles et fétiches posés sur la tête, avaient organisé une grande marche de protestation contre la petite parfaite, scandant à tue-tête l'anathème au sacrilège de la culture fond « Réelou parfaite, Réelou parfaite ». Ils décrétèrent que 7 jours leur suffiraient à faire passer parfaite de Via Trépas. Ils invoquaient la malédiction de leur Rebadiaka, leur calebasse ancestrale, base et source de leur puissance. Apprenez que c'est contre plus fort que soi ce qui vous dépasse qu'on organise ostensiblement protestation en criant à l'anathème. C'est l'expression même de votre impotence. Je vous surpasse, je vous domine absolument, de même que le dernier de mes prêtres que j'ai personnellement élu et consacré dans la mission de Panamé vous surplombe. La grâce descendue sur la terre de Panamé vous surpasse. Vous ne pouvez que couler à pic. Cela vous dépasse et les puissances de toutes vos idoles sont dérisoires à ma face. Vos peureux de vaudou sont tous insignifiants devant moi. Moi, je suis le Goliath confirmé à l'universel. Et s'il y avait éventuellement un vaudou capable de me défier, il m'aurait déjà fait sentir sa domination. S'il existait sur cette terre un vaudou assez puissant pour me faire face, il me l'aurait déjà fait sentir. Je ne ressens pas leur capacité à déployer de la puissance. Mais pourquoi se sont-ils emmurés dans un mutisme? Ils ont croisé les bras à m'observer agir. Et ce sont ceux qui les ont fabriqués qui réagissent. Mais pour quelle raison? C'est moi qui suis le défenseur des Dabovi. Ce ne sont pas les Dabovi qui me défendent. C'est moi qui suis leur protecteur dans ce pays. Lorsque l'on ouvrit le feu sur les Dabovi avec l'intention délibérée de les cribler de balles, les projectiles tombaient tous à terre sans les atteindre. N'avez-vous jamais assisté à des scènes aussi mystérieuses? N'avez-vous pas connaissance de ces événements? Je suis l'auteur de tels exploits. Les projectiles des armes à feu ne peuvent percer la peau des Dabovi. Que ce soit au cours d'un braquage ou d'un vol armé à domicile, aucune balle ne peut les atteindre. Ou preuve, dans ce même pays, dans la région de Zayando, les Dabovi s'étaient rendus à une célébration eucharistique sur leur communauté lorsque, sur injonction des autorités d'alors, les forces de l'ordre firent irruption et ouvrirent le feu sur les paisibles fidèles. Les agents envoyés sur cette macabre mission peuvent en témoigner. Pas un seul Dabovi ne fut atteint par les projectiles des armes à feu dont ils ont fait usage. Je suis l'auteur de telles prouesses. Je les ai faits pour protéger les Dabovi, mes fils bien-aimés, mes créatures qui comptent sur moi et qui m'ont choisi comme rempart. Je suis redoutable. Toutes les divinités vaudou assistent en spectateurs inactifs, muets et impuissants au déroulement des scénarios de leur défense par les humains contre Dieu. L'homme défie Dieu en faveur des idoles. On m'accuse de déverser du feu sur les idoles et de calciner les divinités. Mais un être fort pourrait-il rester indifférent et croiser les bras pendant qu'un autre lui déverse du feu dessus dans le but de le calciner? Ce n'est pas évident. Si un vaudou s'est docilement laissé calciner,
sans lever le moindre doigt pour sa propre défense, c'est qu'il est incapable et bon à rien. À quoi bon l'adorer? Qu'est-ce que vous adorez alors? Sur quoi comptez-vous à manifester tant d'orgueil et à défier Dieu? C'est l'esprit de Belzéboul que vous invoquez dans vos maux de terre et que vous appelez Faudon en leur attribuant diverses dénominations. Apprenez que je suis l'Esprit Saint. Je suis le suprême de tous ceux qui portent l'attribut d'Esprit, le créateur du monde invisible. En dehors de moi, il n'y a pas de monde spirituel. Il n'existe donc point sous ce ciel d'esprit que je ne puisse anéantir. Il n'y a pas non plus d'esprit capable de se camoufler dans des modes de terre, vos idoles, que ma puissance ne puisse déloger. Ce serait d'ailleurs une grande faveur faite à de tels esprits que de les exorciser. En cette époque, sinon, ils subiraient d'office l'incinération. Belzéboul, le diable que vous invoquez et qui vous confère des pouvoirs avec lesquels vous semez le désastre est ma créature. Et c'est selon mon bon vouloir que j'en finirai avec lui au jour de mon bon plaisir. Pour le moment, nous n'en sommes qu'au préliminaire, cher Béninois. Ce n'est pas normal. C'est complètement insensé. C'est imposé par vos féticheurs dans ce pays qui a constitué à organiser une marche de protestation fort de leurs idoles posées sur la tête, scandant à tue-tête, malheur sur toi parfaite, malheur sur toi parfaite. Moi, je le perçois comme un testament de leur mea culpa. C'est purement et simplement un mea culpa. Dès qu'il s'agit de Bonhomme, des railleries fusent de toutes parts. Les journalistes tournent le sujet en ridicule. Les critiques foisonnent de partout. Tout le monde s'engosse. Et ils justifient les pires bassesses en insinuant qu'ils ne cherchent que de l'argent pour se taire et qu'ils arrêteraient ces calomnies si Bonhomme les corrompait. Mais quelle idée vous faites-vous de Dieu au juste? Croyez-vous qu'on peut traiter Dieu exactement comme vos politiciens pourris, corrompus et faussaires et qui, de peur de voir leur sale dossier dévoilé au grand jour, vous soudoient? Quel est au juste le rapport entre vous et moi? Ce sont des attitudes peu normales. Bon, il y a un temps, vous voulez dire que vous fille. Et tu mi toyani ye bo so e bi se so huzu ndoda itona mo si mi so e bi so huzu ye we na mo ya mi sa ni ye legbla me te ye kade ta bo vile de bo ko lo yo chen we yo bi tu no yimo na cheton wa mi tu mo wa mi mo na ni mi toyani ye kanji yo ki na leko e ni o gbona me wa o et dans l'autre fouet, nous avons mis un peu de temps pour dire à Tchèque, non, tout simplement, pour son du dépôt, nous avons. Dans le village, il y a un peu de temps pour attendre, mais nous avons l'évangile que c'est comme ça. Nous avons sobo, bien sûr, nous avons loué, nous avons tout le monde, 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 nous avons tu le coco ouais des chaux maou est tendu à écouter maou est tendu à écouter doit acheter ton loyer acheter un Jean d'Arc dit belo nando chole vos caca tu vois quoi moi il bébé deux jours acheter le coup de mettre au village et rien à quoi et on y bébé un bébé. Donc, on s'en sert. On va maintenant nous baisser. À tirer le chiton. À tirer le Dagbo village. Vous avez commis des exactions envers les Dagbovis par le passé. Vous leur avez infligé toutes sortes de misères et ils ont souffert le martyre dans ce pays. Vous les avez opprimés et en avez fait des prophètes. C'est bien cela. Vous êtes fait les actants de leur sanctification grâce aux souffrances que vous leur avez infligées et avez fait d'eux des saints. Vous n'avez même pas pris de recul pour réaliser que la fidélité des Dagbovis à leur foi et leur fermeté dans l'épreuve s'avère une grâce que seul moi ai le privilège de conférer. Cet aspect vous a échappé. Vous pensiez qu'à force de les brimer, de les persécuter, ils rebrousseraient chemin et ainsi la mission de Bonhomme serait tuée dans l'œuf. Ce que vous oubliez, c'est que la grâce d'adorer Dieu avec persévérance, c'est moi qui la confère. Les Dagbovis ne sont pas comparables aux insignifiants fidèles que vous enchaînez dans vos églises dites évangéliques, que vous aveuglez au moyen de pouvoir maléfique que vous a conféré Belzéboul et qui sont obligés de rester avec vous parce qu'ils sont dépourvus de toute faculté de décision. Il n'en est pas ainsi pour les Dagbovis. C'est librement qu'ils demeurent fidèles à leur Dieu. Contre vents et marées, ils professent et exercent leur foi puisqu'ils en ont reçu la grâce. C'est cette même grâce qui a été conférée à Saint Jean d'Arc et qui lui a permis aux heures de l'épreuve
de professer sa foi en ces termes. Je ne changerai jamais de version jusqu'à la mort. Ce qui lui valut le martyr au milieu des flammes que j'ai conféré au Tagovie. Elle aurait pu dire, j'accepte renier Dieu et de ne plus l'adorer afin de conserver sa vie. C'est fort d'une grâce spécifique qu'elle n'a pas changé de version et c'est exactement cette même grâce qui opère dans la vie des Tagovie. Ce sont ces grâces conférées à bon nombre de saints dont vous avez reçu un testament de foi, les histoires de vie, qui leur ont permis d'endurer les pires souffrances jusqu'au martyr, mais sont malgré tout demeurés fidèles à la cause de leur tabou jusqu'au bout. Ce n'est pas au moyen de vos gris-gris et charmes acquis au Nigeria et grâce auxquels vous hypnotisez vos crépuscules de fidèles qui passent tout leur temps à crier à tue-tête le nom de Jésus dans des cabanes dites temples que ces saints ont accepté perdre leur vie pour la cause de Dieu. Ils étaient tous libres. Ce sont uniquement des grâces qui opèrent puissamment. Telle est l'ampleur de la toute-puissance de Dieu. Constatez bien, tout ceci est miraculeux. Considérons cet autre exemple d'affront, d'injustice, essuyé par la mission de Banamé. Dans ce même pays, il est arrivé que les forces de l'ordre aient été instruites et envoyées à domicile pour disperser les Tagovie réunis en assemblée de prière dans leur propre salon. Chers Béninois, allez-vous me dire que vous n'en êtes aucunement au courant? Ou bien allez-vous me dire que ces affronts sont vraiment justes et bons? Ou mieux encore, me diriez-vous peut-être que tous les Béninois ont le droit à la quiétude, mais pas ceux qui sont Tagovie. Ils ne pouvaient pas exercer leur droit de prier librement dans leur domicile, ni de circuler sur le territoire paré de leur foulard sur la tête, qui pisait, porté par devant eux, un quelconque objet pieux, expression de leur foi. Il est arrivé qu'un Tagovie ayant porté son chapelet de combat se rendit au marché et s'est vu agresser par quelqu'un qui, au moyen d'une lame acérée, le défigura, frôlant de justesse son œil. Du sang gicla, l'affaire fut conduite devant les forces de l'ordre et le commissaire récrimina contre le Tagovie, lui demandant la raison pour laquelle il s'était permis de porter de façon ostentatoire le chapelet de combat pour se rendre au marché. Tous ces agissements ne sont-ils pas corrects à votre sens? Oui, c'est tout à fait logique. Puisque selon vous, les Tagovie sont les adorateurs du diable. En revanche, vous n'osez pas provoquer les féticheurs qui circulent librement avec leur masque de collier rituel au cou. Vous êtes assez lucide pour savoir qu'on ne provoque pas le vaudon, car c'est le diable, et que lorsqu'on fait affront aux démons, cela entraîne de nombreuses représailles. Ces faits observés prouvent donc clairement que vous êtes bien conscient des actes que vous posez. Vous savez très bien que c'est le Dieu de bonté qui a prêché à Banamé, et c'est pourquoi vous commettez de tels sacrilèges. Les musulmans brandissent librement leur chapelet, occupent les rebords des voies pour prier, mais personne ne les a jamais roués de coups de bâton. Dans le même temps, le Tagovie ne peut pas sortir avec son chapelet. Il ne peut pas circuler librement avec son foulard. On l'agresse et on lui jette des pierres. Les adeptes du fétichetron se nouent leur paille à la taille et circulent librement avec leur collier rituel au cou. N'est-ce pas Dieu que les adeptes de la divinité Mamie adorent également? Dans l'hypothèse où nous considérons les Tagovie comme des adorateurs du diable, serait-il le seul à l'échelle de tout le pays? Ceci signifierait-il qu'il n'y aurait plus d'autres congrégations d'adorateurs du diable à part les Tagovie au Bénin? Vous commettez des exactions envers les Tagovie, pourtant vous faites passer pour de vrais adorateurs de Dieu. La vraie question que cela suscite, c'est qui sont les acteurs qui se sont tapis dans l'ombre et qui fomentent inlassablement contre les Tagovie? Ce sont les dirigeants de l'Église romaine. C'est toujours vous, autorité de l'Église romaine. C'est pourquoi je vous l'ai déclaré, je le réitère, je vais vous exterminer. C'est votre fin. Je vous en fais le serment, vous disparaîtrez dans une grande clameur. Toujours dans la même rubrique des exemples d'affront et d'injustice que Banamé a essuyé dans ce pays, il a été question de l'examen blanc qui a fait couler tant d'encre de salive. Il y a eu des cas déclarés de décès. Mais que s'est-il réellement passé pour que ces gens meurent? Qui parmi vous a jamais eu la curiosité d'enquêter sur les faits réels ayant conduit à ces malheureuses situations? Vous ne savez que diffamer et propager de fausses rumeurs. Cet événement que nous avons désigné par examen blanc, c'est nous seuls qui en percevons le sens. Et d'ailleurs, nous n'avons de compte à rendre à quelque béninois que ce soit. Je n'ai de compte à rendre à aucune de mes créatures, car c'est moi votre créateur. Je ne suis pas sous votre autorité, c'est plutôt vous qui êtes sous ma domination. Pour en venir au fait, le processus du déroulement du dit examen avait été largement défini et expliqué à tous les Tagovie. On a clairement et suffisamment averti les Tagovie de se garder de passer cet examen s'ils reconnaissaient en leur fort intérieur qu'ils possédaient l'esprit de la sorcellerie. Si tu te reconnais dans une telle insanité spirituelle, n'ose pas tenter Dieu. Tel était l'avertissement.
Par rapport aux victimes, il a été raconté que ce sont les bougies allumées et la fumée de l'encens qui les ont tués. Chers auditeurs, l'encens renferme-t-il du poison? C'est le même encens qui a été allumé par des millions de fidèles d'Abovine. Ce qui est regrettable dans l'histoire, chers Béninois et hommes de ce temps, c'est que si vous ne réfléchissez pas mûrement avant de parler, si vous ne prenez pas la peine de faire des investigations avant de vous prononcer, vous allez offenser Dieu et il vous sera difficile d'obtenir le pardon. Les sachets d'encens encore intacts et non utilisés ont été retrouvés près des corps des victimes. Et celles-ci n'avaient même pas encore allumé les bougies avant de trépasser. Mais alors, de quoi sont-ils réellement morts? Il a été publié qu'ils sont morts par asphyxie due à la fumée de l'encens et aux bougies allumées et beaucoup d'autres histoires rocambolesques. Des rumeurs malsaines ont circulé, qu'il leur a été recommandé de fermer hermétiquement les portes, les fenêtres et toutes les entrées, empêchant ainsi toute possibilité d'aération, et que c'est ce qui aurait été à l'origine des décès. Voici clairement énoncées les instructions relatives à la dite cérémonie. D'une part, il leur a été recommandé de couvrir tous les miroirs de leur demeure. Dites-moi donc, quand on reste chez soi et qu'on couvre tous les miroirs de sa résidence, est-ce qu'on en meurt? Chers auditeurs, c'est bien triste. Si tu couvres tes miroirs, vas-tu en mourir? D'autre part, il a été recommandé de fermer hermétiquement les portes, les fenêtres de la maison. Mon interrogation est celle-ci. Lorsque vous voulez dormir la nuit, ne fermez-vous pas vos portes et fenêtres? Cette question, je l'adresse à tous les Béninois. Quel Béninois laisse ouvertes ses portes et ses fenêtres pour dormir la nuit? S'il s'en trouve un seul, qu'il vienne comparaître à ma face pour en témoigner. Si en fermant les portes et fenêtres, l'on en meurt, alors tous les Béninois ne seraient-ils pas déjà morts? Chers chrétiens romains, zélés adorateurs du vrai Dieu, n'allumez-vous pas des cierges dans vos maisons? Ne vous arrive-t-il pas d'allumer des bougies chez vous pour prier la Sainte Vierge lorsque vous êtes prêt à aller au lit après avoir fermé les portes et fenêtres? Est-ce que vous mourrez en allumant les bougies? Vous qui connaissez ce que nous appelons encens ici au Bénin, ne vous arrive-t-il pas souvent d'allumer de l'encens au milieu du salon lorsque vous êtes sur le point d'aller au lit après avoir fermé toutes vos portes et fenêtres, tout simplement parce que vous croyez que cela chasse les mauvais esprits? Vous qui avez de telles pratiques, en mourrez-vous pour autant? Et pourquoi dès qu'il est question de choses touchant à bonne main, vous en êtes extrêmement allergique? Faites par vous-même un examen de conscience et posez-vous cette simple question. Pourquoi est-ce que je ai si tant bonne main? C'est la question qu'il faut se poser. N'est-ce pas peut-être le diable qui a introduit dans vos cœurs la haine contre Dieu? Il faut se le demander. Pourquoi est-ce que je n'ai pas autant le vaudon? Pourquoi je ne manifeste pas une telle haine viscérale contre le diable? Vous fréquentez bien souvent les charlatans. Mais pourquoi n'avez-vous pas la même haine contre ces idolâtres? Pourquoi n'éprouvez-vous pas de la haine contre ces divinités serpentes dénommées Dan, que vous aimez invoquer et consulter si souvent? Pourquoi n'êtes-vous pas autant allergique à cette divinité serpent dite Dan, comme vous l'êtes à tout ce qui a trait à Banamé? Pourquoi est-ce qu'en entendant parler de la divinité Mamie, cela ne suscite pas en vous soulèvement et révolte, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de Banamé? N'est-il pas temps que vous commenciez à vous demander les raisons pour lesquelles c'est seulement ce qui a relation avec Banamé qui suscite en vous tant de colère? Soit tu possèdes l'esprit de sorcellerie, et de fait, Banamé constitue une menace pour tes intérêts car t'arrachant toutes les proies que tu avais déjà planifiées pour être dévorées au cours des sabbats nocturnes. C'est la première et fondamentale raison. C'est moi d'abord qui l'affirme. Allez m'en faire le procès dans vos tribunaux. Soit c'est le diable même qui a introduit dans ton cœur cette haine viscérale pour Dieu, afin que tu n'aies point de chance de salut. Si tu prends la peine de faire profondément ton examen de conscience, mis à part que tu détiens éventuellement un pouvoir sorcier, tu ne pourras pas énoncer clairement les raisons qui font ta haine contre Panameka. L'évocation des cas des divinités Mamie et du vaudoun ne te fait pas broncher. Lorsqu'on évoque le mal, tu n'émets aucune plainte. Le nom des charlatans te laisse indifférent, mais lorsqu'il s'agit de Banamé, tu es enragé, tu t'agites et tu te révoltes. Mais, pour quelle raison? Ne me dis surtout pas que l'homme ne peut se prétendre être Dieu, et c'est pourquoi tu manifestes autant de haine contre Banamé. Je ne veux surtout pas entendre de telles justifications, car bon nombre de grands et puissants sorciers affirmant avoir décision de vie et de mort sur leur prochain résident dans ce pays et circulent librement à visa découvert. Mais tu n'as jamais éprouvé de la haine contre eux. Nombreux sont les tueurs et assassins de ce pays qui s'enorgueillissent de leur statut et qui se font passer pour des tout-puissants, mais cela t'a toujours laissé indifférent.
Pose-toi la question, pourquoi tu es autant que Maname? Pourquoi? Pourquoi tu ne détestes pas, tu n'as pas autant de haine pour la sorcellerie par exemple? Pourquoi tu n'as pas autant de haine en toi? Quand on parle de mamie, quand on parle des fétiches, quand on parle des tueurs, quand on parle des charlatans. Mais quand il s'agit de Maname, tu es allergique, tu deviens stérile. Pourquoi? Soit tu es sorcier, un pénitent qui ne se convertira jamais et qui se sent menacé par Maname. Soit le diable a semé en toi la haine contre Dieu pour que tu ne puisses pas être sauvé. Bon, on peine pendant mes ans. Nous donnons d'ailleurs mes azetas. Son datant d'autres une toile mis dans mes. Mais ouais, on quand il t'a dit. Mais ouais, on a son aîné quand il t'a dit. Bon, mais là le DJ ouais. Yémédé, mon chaya roya. Yémédé, ma ou mando ni déni yékpo. Yémédé, le c'est bête. Les dents étant le wa wa banjo mélé. A son aîné moi il débou bouli. Mais le DJ do pendant mes ans ouais. Alors, mais les gens qui ont été mis en place, ils le village, ils ont été mis en place. 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 Vous insultez l'intelligence que Dieu vous a donnée. Pourquoi éprouves-tu alors tant de mépris pour la mission de Maname? Pourquoi éprouves-tu cette haine viscérale sans démordre contre cette mission? Pose-toi la question de savoir pourquoi tu es autant Maname. Pourquoi tu ne détestes pas si tant la sorcellerie, la déesse des oies appelée Mamie, les féticheurs, les tueurs ou les charlatans? Mais quand il s'agit de Maname, tu es allergique. Tu deviens hystérique. Pourquoi? Soit tu es un sorcier impénitent qui ne se convertira jamais et qui se sent menacé par la mission de Maname. Soit le diable a semé en toi la haine contre Dieu pour que tu ne puisses pas être sauvé. Manifestement, c'est vous les sorciers, charlatans et criminels qui êtes à l'origine de cette profonde aversion contre Maname. Et vous en êtes tous très bien conscients. C'est bien vous qui répandez ce mépris de Dieu à travers tout le pays. C'est vous qui répandez ce virus dans le pays et nombreux sont ceux qui en sont infectés. Cette maladie a pu atteindre ceux qui ne prient pas, ceux qui n'accordent aucune espèce d'importance à Dieu, ceux qui ont négligé et voué leurs âmes à la perdition, et ceux-ci ne cessent de vilipender la mission de Maname. Par ailleurs, l'autre déterminant de cette haine viscérale envers la mission de Maname est le suivisme. En effet, comme les uns le prétendent que la mission de Maname est l'œuvre du diable, et les autres les suivent sans un minimum de discernement, tels que les démagogues viennent dans vos villages vous promettre monts et merveilles et vous leur accordez vos suffrages lorsqu'on vous dit que Maname est le mal, vous y croyez sans réfléchir. En vous comportant ainsi, vous insultez l'intelligence que je vous ai donnée. C'est Dieu que vous insultez à travers la bêtise de votre raisonnement. De ce fait, vous me signifiez que l'intelligence que vous ai donnée n'a servi à rien. Pourtant, je vous ai doté d'un cerveau doué d'intelligence, de la sagesse et de la conscience. Je vous ai également doté de la faculté de discernement et de flair. Mieux, aucun d'entre vous ne commet la bêtise d'ingérer son repas par les fosses nasales. Mais alors, comment ne parvenez-vous pas à discerner le bien? Pourquoi depuis 10 ans, ne vous êtes-vous pas demandé si c'est réellement le diable qui agit à Maname et qui demeure toujours aussi actif? Le diable peut-il persévérer autant? Le diable donne-t-il le salut? Le diable témoigne-t-il de l'amour envers le prochain? Le diable sauve-t-il comme le fait d'avoir Maname? Pourquoi personne n'en arrive à se poser de telles questions? Bénin, c'est toi que tu as choisi et visité, mais tu te permets de le rejeter, de t'en moquer. Retiens qu'au jour du jugement, tu seras plus durement traité que toutes les autres nations de la terre. Ton châtiment sera plus grand. Je te jugerai plus sévèrement. Ton châtiment sera hautement à la mesure de tes blasphèmes. Il y a des résidents de Kové, de Naogon, de Zanyanando et de toute la région d'Agonli qui n'ont jamais songé à mettre pied sur la sainte colline à Baname. Permettrez-vous que toutes les prédictions de Jésus s'accomplissent in extenso? Du temps du passage du Christ sur terre, les descendants de David tenaient des propos tels « Jésus est notre frère, nous le connaissons bien, c'est le fils de Marie né au vu de tous. Comment peut-il affirmer aujourd'hui qu'il est Dieu ?» Et il leur répondit en ces termes
Si tous les prodiges qui se réalisent actuellement sous vos yeux se produisaient ailleurs, ils croiraient. Mais ce qui me réjouit, c'est que nul n'est prophète chez soi. Manifestement, vous qui êtes auprès du salut, c'est vous qui n'allez pas en bénéficier. Et c'est pitoyable. Au sujet de l'examen blanc, voyez à quel point l'homme a été audacieux. Ils ont décidé de défier Dieu. Chacun se dit, je tenterai Dieu. Je le tenterai afin de vérifier par moi-même s'il est réellement puissant. Je suis bien omnipuissant. Et si je suis puissance absolue, ils l'ont déjà appris à leur dépens. Mais voyez ce que vous en avez fait. Une opportunité de propagande, de diffamation et de fausses rumeurs. Vous faites croire à tous que Banamé prescrit des rituels dans le but de tuer. Savez-vous réellement ce que c'est qu'un rituel? Qu'entendez-vous d'ailleurs par rituel? On a requis d'allumer de l'encens et des bougies et vous qualifiez cela de rituel. Les Béninois n'ont-ils jamais allumé de l'encens? Si tel est le cas, tous les Béninois qui allument de l'encens ou des bougies font des rituels. Ainsi, les fidèles du christianisme céleste font tous les jours des rituels. Quel sacrilège! Revenons un peu sur le dernier en date où j'ai donné instruction d'Agouvi de s'enfermer pendant 3 jours successifs. Que pouvez-vous comprendre à de telles prescriptions que je leur ai faites? N'est-ce pas vous qui avez renié Dieu? N'est-ce pas vous qui avez dit que si je suis Dieu, que je le sois uniquement pour les Dagouvi? N'est-ce pas vous qui avez affirmé que je ne suis pas votre Dieu? C'est le monde qui tourne à l'envers. Dans l'ordre des choses, c'est le père qui se fâche et renie son enfant. Aujourd'hui, c'est vous qui reniez votre père. Comment allez-vous réparer cet affront? J'attends voir de pied ferme comment cela sera possible. Comment allez-vous y remédier lorsqu'il sera trop tard? Comment réagiriez-vous lorsque sonnera l'heure du jugement? Que pouvez-vous comprendre à cette prescription faite aux Dagouvi de s'enfermer chez eux? Moi, je suis Dieu et je connais la succession future des événements qui se produiront dans le monde jusque dans l'éternité. Croyez-vous que je fais cette recommandation juste pour m'amuser ou sur un coup de tête? Quelle est au juste votre appréhension de la mission de Banamé? Avez-vous seulement la moindre idée de ce qui adviendra en ce monde? Avez-vous conscience des événements malheureux qui vous surprendront sous peu? J'avais promis qu'une fois que nous aurons fini d'aborder l'essentiel de tout ce qui s'est passé dans la mission de Banamé, nous évoquerons les événements à venir. Nous ne les aborderons pas aujourd'hui. Effectivement, les événements malheureux sont imminents. Chers Béninois, des heures d'affliction s'annoncent. En avez-vous la moindre idée? Moquez-vous-en si c'est pour votre bon plaisir. Évidemment, vous y êtes habitués. Vous moquez de tout. Vous n'avez jamais été différent des fils d'Égypte. Pour vous, tout rime avec plaisanterie et moquerie. C'est ainsi que vous vous comporterez jusqu'à l'heure fatidique. Cette heure décisive vous surprendra. Nous verrons bien en ce moment-là où vous conduiront vos plaisanteries et vos moqueries. Vous pouvez continuer à vous moquer. Vous qui êtes passé maître dans l'art de la moquerie, tel vous savez comment vous moquer de Dieu, tel vous vous apprêterez à pleurer si toutefois vous êtes en vie. En effet, vous serez rétribué à la mesure de vos actes. Je vous le ferai payer. L'instrument de mesure dont je me servirai sera pareil au vôtre. Cette heure sonnera inévitablement pour vous. Je n'ai pas à me gêner avant de vous atteindre, car vous êtes à ma portée. Votre jour de tourment viendra inéluctablement. Et ce jour qui s'annonce est très proche. Ce moment viendra indubitablement. C'est un événement certain. L'heure sonnera pour ce monde. J'ai instruit les Dagouvi de s'enfermer chez eux pour des raisons bien précises. C'est l'éternel Dieu qui connaît toutes choses et qui voit tout, jusque dans l'éternité qu'il a recommandé chez mes raisons. De quoi vous mêlez-vous, vous qui avez rejeté Dieu? Vous dites avoir un Dieu qui vous sauvera. Si au jour fatidique, il ne descend pas pour vous sauver, ce sera alors mon tour de rire de vous. J'applaudirai de mes pieds. Ce sera vraiment la plénitude de la tristesse. Et ton gloire, mes amis, ma sang, mes hommes. Et quand il bassira, mes amis, bassira de quoi il en a sans nous. A zan akpe nou mi djen wè. Koko lo kwe gwe tonmè lo yon chonon ou li ne. A zan mi ton akpe. A zan e ka an akpe wè lè ka so on li li mè. A zan an wwa. A zan an yon ou poji so wwa. E nan akpe pe lo po. E kan an bla ou mè. Bo. Alfa yi gba hondo tan ou mè. Ta bo vile. E lo kome yon kwe yi gba hondo tan yi. Ou to kwe yon bizou. E ne. Tu Réseau les moisons, Beninois les moisons,
journal le moiso. Bon, Gbaname waso do intimité ton. Vous violez l'intimité de la maison de Gbaname. Les Dabovi s'étaient tranquillement enfermés dans leur maison pour une retraite spirituelle lorsqu'un alpha s'est permis de défoncer leurs portes et d'incendier leur chambre. Pourtant, c'est toujours Gbaname qu'on traite de tous les maux. Pour vous, c'est Gbaname qui provoque sans cesse et symbolise le mal. Voyez un peu ce que vous avez fait au Dabovi. Au lendemain de tout cet affront, vous publiez partout que Gbaname a de nouveau tué et que Gbaname a encore commis des forfaits. Pour vous, Gbaname vient de faire des victimes et cela a été relayé sur les réseaux sociaux. Vous vous plaisez à exécuter cette sale besogne. C'est votre heure de gloire. Profitez-en bien tant qu'il est encore temps. Car cela prendra bientôt fin. Les réseaux sociaux, les Béninois ainsi que les organes de presse écrite se plaisent à relayer ces informations comme en une traînée de poudre. La mission de Gbaname n'a plus son intimité. Vous violez constamment l'intimité de Gbaname. Vous violez continuellement les droits de la mission ainsi que ceux de Dabovi. Vous permettez de partager et de répandre publiquement tout ce qui touche à la foi de Dabovi et qui ne vous concerne en rien. Vous dénigrez tout cela et vous vous en moquez. En revanche, vous n'avez pas les mêmes réactions à l'endroit des fidèles du christianisme céleste, des adeptes du culte vaudou, des adeptes des divinités Tron et Mamie ou des fidèles des églises évangéliques. Vous vous plaisez à martyriser les Dabovi en vous convaincant que cela restera sans conséquence. Croyez-vous que cela restera impuni? Je prends note au fur et à mesure des actes que vous posez. Si vous croyez qu'un seul de vos actes restera impuni, vous vous leurrez. Vous paierez le prix de votre méchanceté tout autant que votre descendance et ce jusqu'à la 7e génération. Je dirais même la 9e génération. Et là, c'est encore par indulgence. Si je me suis arrêté à la 9e génération, c'est bien par miséricorde. Vous paierez jusqu'au dernier centime. Parce que les actes que vous posez sont injustes. Croyez-vous que les supplices moraux ainsi que les peines et torts que vous avez causés au Dabovi depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui resteront impunis? Cela ne restera pas impuni. Croyez-vous que lorsqu'il s'était entendu pour mettre Jésus-Christ à mort, cela est resté impuni? Non, cela n'est pas resté impuni. En effet, les événements qui ont succédé ont eu des impacts non négligeables sur des générations entières. Cela a eu des répercussions inimaginables. Dieu ne laisse rien impuni. Le châtiment sera sévère. C'est le diable qui s'agite et règle les comptes illico presto, car lui joue carte sur table. Dieu, quant à lui, fait preuve de patience. Prenez patience et retenez que votre punition sera certaine. Son temps viendra à coup sûr. Vous me prenez, moi, qui vous ai créé pour votre ballon de frappe. Vous m'avez pris pour du punching ball dans lequel vous tapez à loisir. Croyez-vous que j'ai perdu mes attributs simplement parce que je prends patience et je vous observe agir sans mot dire? Croyez-vous que je suis un idiot juste parce que je ne fais pas montre de mon omnipuissance? C'est tout simplement de la miséricorde. Oui, c'est de la miséricorde. Je crois que nous sommes à la limite de la miséricorde que je vous manifeste. Je n'avais pas manqué de témoigner ma miséricorde à l'endroit des fils d'Égypte et en particulier du Pharaon. J'ai fait tout ce qui est de mon ressort pour qu'il renonce à son projet infect. Pourtant, comme il s'est obstiné à mourir, n'est-il pas mort? N'a-t-il pas péri tel qu'il avait décidé? J'ai autorité de finir avec celui qui a délibérément fait un tel choix. Ce choix vous incombe. Il ne me revient pas de le faire à votre place. Fort malheureusement, je constate avec amertume que d'ores et déjà votre choix est fait. Le sort des dirigeants de l'église romaine est déjà scellé. Et cela me fait vraiment pitié. J'ai beaucoup de peine, car vous me contraignez à détruire mes propres créatures, fabriquées au prix de grands efforts. C'est déplorable. Cela me chagrine au plus haut point.
Je ne vous ai pas créé pour que vous finissiez ainsi. Je ne vous ai pas créé pour que vous rebelliez contre moi et me déclariez la guerre. C'est pour que le genre humain puisse me louer et me glorifier de par ses œuvres que je l'ai créé. Mon désir a toujours été que les êtres humains soient des créatures privilégiées qui m'adorent, me craignent et baignent dans ma grâce. En descendant et en prenant chair parmi vous, je vous ai apporté une vie nouvelle, mais malheureusement, vous m'avez rejeté. Vous manifestez clairement votre affection pour la vie, préférant ainsi la mort. Et s'il arrivait que vous mouriez, on dirait que Dieu n'agirait jamais ainsi. Face à ce dilemme, je deviens embarrassé. Je vous ai apporté la vie en abondance et vous réclamez de moi la mort avec insistance. Vous l'aurez à coup sûr, car un père ne peut que satisfaire le vœu de son enfant. Il est vrai qu'aucun père n'offrirait du serpent à son enfant alors que celui-ci a demandé du pain. De la même manière, sachez qu'on ne saurait donner du pain à un enfant qui réclame du serpent. Ces deux options sont valables. En définitive, de la même manière qu'on ne peut donner du serpent à celui qui demande du pain, l'inverse est également valable. Vous devez vous en convaincre. À qui demande du serpent, on lui en offrira. À qui demande du pain, on lui en donnera. Qui réclame de la pierre, recevra la pierre. Ce n'est pas normal. On ne peut que vous donner ce qui convient au rayonnement de votre vie. Mais vous avez manifesté un refus catégorique à ce qui vous convient. Ce qui vous convient est que je prenne chair pour votre salut puisque vous êtes au bord du gouffre. Vous faites pitié. L'on ne saurait dénombrer et raconter avec exactitude tous les faits marquants de la mission de Bonhomme depuis 10 ans. Ces faits sont indénombrables et l'on ne saurait faire étalage des détails de façon exhaustive. Ce ne sont que des faits marquants et cela sur tous les plans, notamment des combats spirituels, des apparitions subites à domicile en esprit, des conspirations contre la mission de Bonhomme et j'en passe. Il y a même des dirigeants de l'église romaine qui ont effectué des voyages sur le Burkina aux seules fins de me nuire. En effet, ils ont présenté mon image et payé des millions aux féticheurs marabouts en vue de me tuer. Croyez-vous que j'allais passer cela sous silence? Tous ces faits se sont produits dans cette mission de Bonhomme. Ils ont conspiré contre ma personne, élaborant et publiant hors du territoire des propos diffamatoires stipulant que je serais une religieuse dotée de pouvoirs de sorcellerie qui s'est donnée pour mission de décimer toutes les autres sœurs religieuses de sa congrégation. Mais, même dans cette perspective, ne pouvez-vous pas prier pour chasser une telle religieuse de votre couvent? Tout ceci fait partie des affronts faits à la mission de Bonhomme. C'est bien déplorable. Il est même arrivé un temps où, à l'échelle de toute la région Agonie, les féticheurs de renom les plus puissants se sont mis en consortium et ont uni leur pouvoir de nuisance dans le seul but de m'abattre et de mettre fin à la sainte mission sans succès. Aux tentatives de plus grande envergure, ma tête a été mise à prix auprès des plus grands féticheurs d'Afrique, avec pour promesse de récompense des villas, des millions et bien d'autres choses encore. S'ils réussissaient à m'abattre, croyez-vous que je n'allais pas le révéler? Pourquoi ne vais-je pas le faire? Toutes ces horreurs se sont produites contre la mission de Bonhomme. Il suffit qu'un tiers se lève et concocte une diffamation pour que tout le monde s'en trouve emballé. Dès lors, une propagande s'installe et ceci devient un sujet d'actualité. Le plat du moment à consommer, le commerce dont il faut faire la publicité. La mission de Bonhomme est la seule institution sur laquelle tout le monde prend plaisir à jeter toutes sortes d'opprobres. Saba Nazer, voilà un autre cas. Un vaurien, un bon à rien, un grédin, une ordure. Voilà ceux qui veulent critiquer Dieu. Voilà le genre de personne en qui vous croyez. C'est bien minable. Dans ce pays, on a même eu à dire que j'ai menacé d'arracher le cache-nez en métal du roi à Goliago Dabomé. Est-ce seulement à son cache-nez que je m'attaquerais si je voulais agir contre lui? À quoi me servirait même un tel métal? Si je devais arracher au roi à Goliago quelque chose, ce ne serait pas du métal. Puisqu'en tant que son créateur, je lui ai fait don de choses de plus grande valeur. Je ne tiens pas à aller plus en profondeur à cette occasion, puisque son cas a déjà été réglé. Ils ne font que propager des mensonges. Les mensonges fusaient de toutes parts. Et puisque je ne réagissais pas, c'est devenu la mode. Le fait de proférer des mensonges contre la mission de Bonhomme est devenu la tendance actuelle. Chaque fois que nous sollicitions les services d'une chaîne de télévision, ses responsables refusaient de diffuser les événements relatifs à la mission de Bonhomme. Il arrive même qu'ils refusent de diffuser nos éléments qu'ils ont eu à couvrir après avoir reçu et encaissé les frais de diffusion. Et pour cause, ils affirment clairement que c'est le clergé romain qui en a interdit la diffusion. Est-ce l'église romaine qui nous dirige? Aussi bien les différentes chaînes de télévision, de radio que la presse écrite manifestent leur refus catégorique à diffuser tout élément ayant trait à la mission de Bonhomme. Dans leur entendement, la mission de Bonhomme n'a aucun droit dans ce pays. Tous ces faits ont marqué négativement la mission de Bonhomme.
Ils prétendent après que la mission de Bonhomme n'apporte jamais de démenti aux rumeurs la concernant. Par quel canal pouvions-nous passer pour faire valoir notre droit de réponse? La presse, qui est le seul moyen par lequel nous pouvions faire valoir notre droit de réponse, rejetait nos demandes. Nous avons été muselés. Que pouvions-nous faire si la presse rejette notre demande? Dans ce même pays, le président Yahya Boni avait gardé par devant lui notre récépissé d'enregistrement officiel, refusant de nous l'accorder. Dans le même temps, ils ont divulgué que la mission de Bonhomme n'était pas enregistrée au ministère de l'Intérieur. C'est un abus de pouvoir. En plus, ils avaient ordonné auprès de toutes les administrations locales décentralisées de nous exiger le récépissé d'enregistrement légal chaque fois que nous souhaiterions avoir une autorisation de manifestation dans le cadre de l'organisation de nos enseignements, sachant pertinemment qu'ils ne nous l'ont pas délivré. Ils ont fait tout ceci dans le but de nous museler. L'État a refusé de nous délivrer le récépissé et dans le même temps, il propage partout que nous ne sommes pas enregistrés, par conséquent, ils ne sauraient nous reconnaître. C'est de la cupidité, de la mesquinerie. C'est un crime. Ils avaient donné ordre de ne pas nous donner l'autorisation de faire des enseignements sans récépissé. Ce sont des situations terribles que Bonhomme a traversées. À l'époque, le président Yahya Boni nous fit appel. Nous nous rendîmes à la présidence et ils se mirent à nous tourner en rond prétendant qu'il y avait une erreur d'aiguillage. À l'occasion suivante où j'ai pu le rencontrer, il a reçu sa dose d'injures. C'est déplorable, tant de supplices infligés à la mission de Bonhomme. Les Dagbovis ont été confrontés à d'énormes souffrances. Partout, les Dagbovis sont lapidés, frappés, dispersés, brimés, sans possibilité de recours. Au commissariat ou au tribunal, les Dagbovis sont toujours condamnés à tort. Pour trouver un emploi, les Dagbovis devraient se faire discret, puisqu'ils n'avaient aucun droit. Toute demande d'emploi venant de leur part était catégoriquement rejetée. Dans leur service, les Dagbovis sont sujets à toutes sortes de maltraitances. Par contre, les sorciers trouvaient aisément de l'emploi. Les francs-maçons sont souvent promus dans leur service. Les sorciers prospèrent dans leur service et bénéficient de promotions tous azimuts, tandis que les Dagbovis étaient rétrogradés. Parfois même, on leur faisait perdre leur emploi. Ils n'avaient aucun droit. Face à toutes ces abominations, les Dagbovis ont fait montre d'endurance puisque je leur en avais donné la grâce. Je les ai choisis dès les origines. Ce sont eux, le petit Rez Israël, dont j'ai fait la promesse à travers de nombreux personnages bibliques. Sur eux, vous n'avez aucun pouvoir de mort. Ils sont tout le temps sous ma protection divine. Ont-ils péri faute de nourriture? Malgré toutes ces souffrances, sont-ils morts de faim? Ne sont-ils pas toujours vivants? Ne parviennent-ils pas à se sustenter? Ils continuent bel et bien de manger. Oh. Et donc, pendant que je suis tenu talon, je suis tenu talon. Je grandi. Mais je suis tenu pour m'aider à choisir mon meilleur ménage. À cause de David, je suis choisi. Quand je suis en vie, je suis talon à grandi. Les talons à grandi. Tu as vu que tu as mis l'on. Mais profiter de talon, c'est une faveur. Ta beau vieux hokan do talon sin tamele nebi wa elonna midami kai nu biolu to wa ta beau vide nu biolu to wa. Il a dit que la mission de Bonhomme a soutenu le président Talon. C'est effectif. Je l'ai fait élire. J'ai fait en sorte que Talon vienne au pouvoir. Que vous le veuillez ou non, vous vous plairez au choix qu'on vous a fait. C'est bien moi qui ai fait David roi en Israël sans requérir l'avis de qui que ce soit. J'ai fait venir Talon au pouvoir sans votre avis. Mais à combien de Dagbovis avez-vous permis de bénéficier des faveurs du président Talon depuis son arrivée au pouvoir? À combien de Dagbovis ayant contribué à l'élection du président Talon a-t-on permis de bénéficier de ces faveurs? Nous ne sommes pas des mendiants. Aucun Dagbovis n'est quémandeur. Dagbo est la seule récompense des Dagbovis. J'ai doté le président Patrice Talon d'intelligence. C'est moi qui lui ai conféré son cerveau qu'il utilise et toute la sagesse dont il peut faire preuve. C'est donc à moi qu'il revient de communiquer à sa conscience les actions à mener. Vous malmenez et essayez d'écraser les Dagbovis, puisque vous savez tous que ce sont eux qui ont œuvré pour son élection. Tout ceci se passe envers et contre la mission de Bonhomme. Si Dieu pouvait s'ériger en homme politique, bon nombre d'événements se seraient produits ici au Bénin. Pourtant, comme une série de gâteaux, vous aligniez les calomnies. Vous sériez les mensonges comme des gratte-ciel, puisque Bonhomme est l'animal qui vous donne l'insomnie et qu'il faut à tout prix abattre. Vous avez contracté la sorcellerie et vous ne voulez pas qu'on vous la calcine. La mission de Bonhomme vous arrachera toutes vos puissances maléfiques. Elle compte les anéanties jusqu'à la dernière. Il n'en restera pas une seule.
Je vous les arracherai sans laisser de traces. Vous en aurez les mains entièrement et proprement lavées. C'en est assez de tuer des êtres humains, de faire des sacrifices de sang humain lors des nuits sabbatiques. Vous avez assez brimé les âmes innocentes. Malgré la douleur, les femmes portent leur grossesse jusqu'à l'accouchement et vous osez prétendre les tuer. Parfois, pour épargner ces âmes innocentes, vous exigez en contrepartie des sacrifices. Il arrive même que vous les tuez malgré le tribut perçu. C'en est assez. Qui se sent mauvais se mouche titon. Si un individu se sent concerné, qu'il sache que c'est avec lui que j'en finirai. J'en ai fini. Que le peu que vous avez entendu vous serve de leçon. Ressaisissez-vous. Apprenez que de Dieu, aucun adversaire ne triomphe. Vous ne triompherez qu'en défendant le bien. Vous ne pouvez pas défier Dieu. Vos pères n'ont pas pu me vaincre. Ce n'est donc pas vous qui me vaincrez. Voilà en résumé notre parcours jusqu'ici. Dans notre prochain message, nous deviserons du sort du Bénin. Les Béninois en sont ignorants et par conséquent se refusent d'y mener une réflexion profonde et sans mots. Merci pour votre attention. Que ceux qui ont la ferme conviction que Dago est plein de grâces bienfaisantes les reçoivent et que par ce biais, ils soient sauvés et aient la paix. Que la paix, la quiétude et la prospérité reposent sur tous les foyers. Je vous remercie. Merci.